Non, il fait pas noir. Je te rassure. Je suis bien là. Coucou. Coucou, luminosité de malade. Hein. Merci l'automne. Merci le 28 septembre, 8h34. Voilà. Obligé d'allumer toutes les lumières. Franchement, j'étais pas prêt à être en automne. Je l'ai dit hier. Hein. On a perdu. Et en fait, on a vraiment regardé. On a perdu 15 degrés en une journée. Entre 15 et 17 degrés, quoi. En une seule journée. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt. Autant quand tu prends l'habitude au fur et à mesure, ouais, il commence à faire frais, tu mets un petit pull, tout ça. Non. Nous, on est passé de il faisait trop chaud, où on était encore à moitié, voilà, torse nu, tout ça, short, à pull, voire presque même, parce qu'on en a vu passer, des gens qui ont des manteaux. Il y a même des gens qui ont rallumé le radiateur. Franchement, courage. Courage. Nous, on est. Alors là, par contre, autant il fait froid, autant c'est mort. Dans cette pièce-là, il commence à faire très frais parce que, bah, comme si tu viens d'arriver, voilà, c'est le sous du grenier. Bah, non, c'est le grenier en fait. C'est une pièce qui a été aménagée à l'origine dans le grenier. Et en fait, ça ne doit pas du tout, quasiment pas isoler au-dessus. Donc, il commence à faire très frais, mais on n'est vraiment pas prêt à allumer les radiateurs et je pense qu'on sera toujours pas prêt au mois de novembre. Bref, tasse du jour, bonjour. En fait, j'en ai deux. Alors, j'ai celle-ci, c'est ma tasse du jour. Faut qu'en fait, faut que je boive mon café déjà qui est dedans. Voilà. Et ensuite, faut que je fasse une petite photo. Donc, je me suis fait un petit planning, je crois que je l'ai dit la dernière fois, sur le mois d'octobre. Bah, sur le mois d'octobre, oui, on n'est pas en mois d'octobre, tu vas me dire, mais en fait, ça commence de lundi. Je voulais pas commencer le 5 ou 6, un truc comme ça. Bref, moi, je fais de lundi, donc on va dire que là, c'est au mois. On est au mois d'octobre. Même si c'est pas vrai, on est au mois d'octobre. Et donc, je voulais. J'ai fait un planning de feed. Le feed, c'est mon fil d'actualité sur Instagram pour avoir un Instagram bien propre. Ouais, je sais, c'est il y en a certains, ça leur parle pas, mais voilà. Je voulais avoir un truc bien propre et donc le lundi, c'est mug Halloween. Donc la petite maléfique qu'on a eu cette fois-ci. Attends. Non, c'est la fois d'avant, je voulais l'acheter et là, on l'a acheté sur celle-ci. Donc voilà, faut que je me fasse un petit décor halloweenesque. Bah, de toute façon, à partir d'aujourd'hui, on part sur du Halloween. Sur de la prépa Halloween, sur plein de petits trucs halloweenesques. Hein. Bon, il n'y aura peut-être pas que ça, mais vu le froid qu'il fait dehors, sortir, déjà que... Même quoi, avec les événements du moment, sortir déjà pour moi, à part aller à Disneyland, je ne sors pas, voilà. Mais là, avec le froid, pas trop envie. Bref, donc ça va commencer à faire une petite série de en mode Halloween. J'ai tellement de choses à faire, je vais vous expliquer un peu après. Bref, la tasse qu'on a loupée hier. C'est celle-ci. Donc, là, en fait, on a de la chance d'avoir des personnes qui nous entourent, des personnes, voilà, qui nous entourent. On va dire des personnes qui nous entourent, qui nous apprécient, tout ça. Bref, voilà, égocentrisme encore. Et donc, qui cherche pour nous aussi. Bah, en fait, en plus, hier, elle nous disait, parce qu'elle nous l'a ramené hier soir, et elle disait, elle fait, ouais, j'étais trop contente que je l'ai trouvé, mais pas vous. En fait, c'est des genres de petits concours, tu vois, genre en mode, voilà. Et on était, et en fait, on est dégoûté parce que c'était sur la première brocante, c'était le deuxième stand, donc en fait, on était tout frais, hein. Tout frais en plus, je comprends pas qu'on puisse la louper. Et elle m'a dit, elle a vu un petit bout des oreilles de Mickey qui était au fond d'un carton en fait dans les par terre. Donc en fait, voilà. En gros, va falloir qu'on s'arrête sur chaque stand, qu'on fouille partout ou qu'on leur demande directement, parce qu'il y en a beaucoup qui le font ça, des revendeurs ou des collectionneurs. Vous avez ça? Vous avez ça? Vous avez ça? Ils le demandent à chaque truc. Bref. Et donc, franchement, je la trouve tellement stylée. Elle est vintage. Elle doit dater des années 90 parce que le dernier chiffre, c'est 1990.
Et après, il y a juste marqué The Walt Disney Company en dessous, voilà. Bref. Ah si, il y a un numéro, 33098, hashtag 33098. Donc à mon avis, ça doit être le numéro de truc. Bref. Ah, faut que j'arrête. J'étais en train de regarder si tout était bon et tout ça, et je suis tombé sur un moment où je dis bref au moins 15 fois d'affilée, jusqu'au moment où après, plus tard, je redis bref, et enfin bref. Ah, les vieilles habitudes qui reprennent. Donc, tout ça pour vous montrer une tasse. Mais t'as le smile, donc ça te va en fait, donc c'est cool. Jacques Brel. Cette tasse, regardez comment c'est, elle est trop choupie. Ouais, Romain a sorti choupie. Donc, hop. Donc 1928, j'essaie de regarder le chiffre, mais en fait, dans le retour, on voit mal. Donc en noir et blanc, 1931. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a trouvée en peluche hier, qui date de 1933. Donc là, 1940, 1955, et elle s'arrête à 1990. Et en fait, je viens de remarquer un truc en la regardant. Donc celle-ci dessine celle-ci, voilà, t'as compris. En fait, voilà. Mais quand tu sais ce qui est bizarre, je viens de me faire une réflexion, c'est quand tu sais que déjà c'est arrêté à 1990, déjà rien que 90, j'avais 9 ans. Voilà. Mais que celle-ci, la 1900, en fait, c'est, je l'ai dit en disant 1940, c'est que celle-ci a été dessinée pendant la guerre. C'est ouf quand même. Et en fait, avant, elle était blanche. Donc elle était en couleur blanc. Et à partir de 1940, elle est passée en rose. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc, comme je disais, je parle trop. Mais tu kiffes. C'est tombé. J'ai tellement de choses à faire pour Halloween. Tellement, et encore, c'est ce que j'ai pensé hier soir. En fait, j'ai pas tout noté. Voilà. Je repars sur des idées tout le temps. Ça rentre. Et après, je me dis, ouais, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Donc, je repars dans mon cerveau, pour ceux et celles qui me connaissent depuis très longtemps, je repars dans une période de cerveau qui fonctionne H24, donc moins de sommeil, donc plus de fatigue. Voilà, tu connais, tu le suis depuis très longtemps. Pour ceux qui viennent depuis très longtemps. Hein, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je m'appelle Romain. Faudrait que je fasse une vidéo. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui viennent d'arriver depuis peu, depuis très peu, genre moins d'un an, on va dire. La dernière fois que j'ai fait une vidéo où je me présentais, à date plus d'un an, donc voilà, donc après peut-être que vous êtes arrivé, t'as kiffé, ou t'as pas kiffé, mais tu continues à regarder, voilà, mais c'est vrai que ça fait longtemps, ça se trouve t'es arrivé, tu te dis, mais c'est qui ce gars-là, quoi. Et tu veux peut-être savoir un peu mon vécu, mon parcours créatif, qui est très vieux. Donc, Je me saoule moi-même. Je t'ai saoulé ? Bah, je te rassure, je me suis saoulé moi-même. Ce matin, juste aujourd'hui, j'aimerais faire la moitié, même voire quasiment tout ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 choses. Mais dans les 7... Ouais, non, c'est pas possible. Dans les 7 choses... Il y a un truc qui est énorme. Tout ça, pour moi, ça ne sera pas fait en une seule journée. Donc, j'ai des cadres photos à faire pour les dessins que je vous montrerai. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur toutes les créas que j'ai fait au mois d'octobre. Je ne sais plus tout ce que j'ai fait. Juste pour info, juste voilà, parce que je vais en parler quand je vais faire cette vidéo de créa.
J'ai mis en ligne ces petits, donc la boutique elle est dans la description, j'ai mis en ligne des petits dessins comme ça. Et regardez, ça brille en fait, le bleu. Je le savais, mais en fait on le voit pas sur une photo, mais voilà. Voilà, ces petites couronnes château aquarelle limitées à 5 exemplaires. Ouais, ouais, je fais des séries limitées. Ouais, je suis un mec, je suis un artiste. Quoi. Donc, j'ai des cadres photos à faire, des cadres photos pour le côté Halloween, donc c'est-à-dire tous les méchants que j'ai fait. J'en ai 9 ou 10 à faire. C'est même là, j'ai même celui-ci là, c'est le château, c'est le même château que tu viens de voir, mais en mode Halloween, qui est disponible sur la boutique. J'ai des masques vaudou en bois. Alors, quand je dis les masques vaudou en bois, je les ai dessinés, ils sont juste ici. C'est les masques, en fait, c'est quand, il y a 2-3 jours, on a regardé, bah Corinne a regardé, parce que moi j'étais pas là, et quand je suis arrivé, c'était à ce moment-là. Corinne a regardé La Princesse et la Grenouille, et en fait, pendant un moment, il y a des masques vaudous qui dansent derrière Docteur Facilier. Et donc, en fait, j'ai un peu dessiné un peu les délires, voilà, avec les couleurs et tout ça. Ouais, je sais, tu vois pas, là c'est juste du croquis. Il faut que je teste, voir avec des planches en bois, si je peux réussir à faire. Le plus dur, ça va être les découpes, parce que le nez, tout ça, même le arrondi, c'est même pas sûr que j'y arrive à le faire, parce que bah, j'ai pas non plus j'ai du matos, mais j'ai pas non plus énormément de matos à, voilà, pour faire des roues, surtout pour faire des roues, c'est super dur à faire. Ensuite, masque bois crâne. Ah, j'ai vu en fait en regardant sur internet les trucs, j'ai vu un masque, j'ai vu un crâne en fait. Essayer de faire une forme de crâne en bois, pareil sculpté, un peu comme si tu connais le film The Mask. C'est un truc en bois comme ça, mais peut-être pas arrondi, voilà. Mais bon, voilà. Armature Skull. Alors ça c'est encore plus dur. Ça c'est Armature Skull et Armature Spider. Il y a deux trucs, c'est qu'en fait, donc pareil, je vais le redire, désolé hein, pour les nouvelles. Ceux qui me connaissent depuis plus de 2 ans, ils ont pu voir qu'il y a 2 ans, j'ai fait un Jack Skellington grandeur nature, donc c'est-à-dire plus grand que moi. Je l'ai fait à peu près à 2 mètres 30, donc il était à peu près grand comme ça à peu près, en papier mâché. Donc je fais beaucoup de papier mâché. L'année dernière j'avais fait beaucoup de papier mâché, j'avais fait beaucoup de citrouilles. Là je vais refaire, il est même pas marqué, je vais refaire un tas de citrouilles. Je vais tester cette année. Ouais, à chaque fois je m'y prends au dernier moment, comme d'hab, j'aime bien me speeder pour le, voilà. L'année dernière j'ai fait des citrouilles et là cette année je vais tester de refaire plein de petites citrouilles, parce que j'avais fait des grosses citrouilles et elles ont pris cher avec le grenier. Déjà pour commencer, je sais, je parle trop. Je le conçois, 13 minutes que je parle, sachant que j'ai même pas encore commencé la journée. Et là j'aimerais faire des crânes, donc le même délire que le crâne en bois, mais en papier mâché, pour que je puisse les peindre et en fait pour que je puisse faire un tas de crânes dans la maison ou dans l'entrée de le truc. Ensuite, j'aimerais faire 2 vinyles comme ça. Là, en mode Halloween et Jack. Voilà, pour décorer un peu la maison. Parce qu'en fait, hier on regardait un peu comment décorer la maison. Et c'est très difficile de décorer quand tu as une collection. Parce que bah, tu peux pas changer directement toute ta collection en fait. Tu peux pas dire, ouais, bah, tu vires tout Mickey, tu vires tout Toy Story, tu vires tout ça. Et tu mets que du Halloween. C'est pas possible. Hein. Déjà, financièrement, c'est pas possible. Et tout n'existe pas non plus en Halloween. Voilà, sinon il faut vraiment tout virer et voilà, on commence à avoir une très grosse collection, donc on peut pas tout virer. Donc le seul compromis qu'on peut faire, c'est en fait de décorer, en fait de changer les cadres, changer les trucs, c'est-à-dire de, voilà, les cadres que j'ai de Aladdin, tout ça, comme celui-ci. C'est Aladdin ? Ouais, c'est Aladdin. Non, parce que je l'ai aussi, bah, pas le cadre, le vinyle, je l'ai aussi en bas. Et en fait, intervertir comme ça, mettre du coco, des trucs comme ça. Bref, et voilà. Après, donc ça c'est ça. Et après, j'ai les masques de Amstramgram. Ils s'appellent vraiment comme ça. Pour ceux qui connaissent, vous avez compris. C'est les 3 petits enfants qui sont reconnaissables dans Jack et l'étrange Noël de Monsieur Jack.
C'est donc il y en a un qui a un masque rond avec des grosses dents, mais ça va être un peu plus difficile parce que va falloir que je trouve surtout. Ouais, après j'ai des cutters, mais faut le graver. Faut faire du. En 10 ans, faut le graver. J'ai acheté un truc la dernière fois pour graver le bois, le verre, tout ça qui vient de chez Action. Et normalement, j'ai un pyrograveur qui doit traîner quelque part. Donc en gros, j'aurais peut-être les. Et donc après, il y en a un qui est tout allongé avec des petites cornes et des grandes dents. Et l'autre, c'est des gros yeux et un sourire qui smiley comme ça, mais qui est allongé aussi. Voilà, voilà. Je sais, je parle beaucoup trop. 15... Franchement, j'ai jamais parlé autant en si peu de temps. Donc voilà toutes les idées que j'ai pour le moment. Pour le moment, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais faire plein de citrouilles, tout ça, qui ne sont pas marquées dessus. Je l'ai déjà dit, mais voilà. Et à mon avis, il y a des idées qui vont arriver entre temps, parce que mon entrée, j'ai envie... Ah, et aussi, j'ai un délire. Ah ouais, bah, faut que je vous en parle. Parce que ça va être dans les vlogs qui vont suivre. J'ai un délire qui est connu, mais que j'ai jamais testé. Donc, c'est en fait de faire une projection vidéoprojecteur des fantômes. Alors pas sur la maison parce que c'est pas possible, on n'a pas on peut pas mettre le vidéoprojecteur dehors tout ça, mais au niveau d'une fenêtre, genre pour que ça projette des fantômes. Voilà, bon, après voilà, comme je vous ai, tout ce que je viens de vous dire, c'est des idées en tête, c'est pas des idées faites. Donc voilà, donc ça se trouve d'ici là, il y aura d'autres trucs qui vont se préparer dessus, peut-être des trucs que j'arriverai pas, donc finalement je partirai sur d'autres choses. Et voilà, je sais qu'il faut que je fasse aussi dans le même délire, dans le même en même temps, il faut que je fasse des masques pour mon fils, parce que il en a marre de ceux que j'y ai fait, donc il veut changer. Voilà, donc merci le crâne d'un créatif. T'imagines tout ce que tu peux, et ça, c'est arrivé en toutes les idées que j'ai eues là. Ça a mûri, mais c'est vraiment tout ça, c'est arrivé en allez, 20 minutes, 10 minutes. Et toutes les idées, comment mettre les bois pour l'armature, nanana, j'ai à peu près les idées. Donc après, voilà, faut que je teste en live, parce que moi, j'aime pas me faire des plans, moi, j'aime bien faire du freestyle. Voili, walou, 17 minutes. J'ai trop envie de dire bon bah voilà, c'est les idées du jour, on se retrouve demain. Mais non, on va pas faire ça, c'est abusé. Donc ça va être sûrement une vidéo d'une demi-heure, j'en suis totalement désolé. Mais mets ton petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Après-midi, hein, je me suis dit je vais pas trop parler dans la journée, donc vous avez eu pas mal de time lapse. Je vais aller très rapide pour éviter que ça soit un vlog de 3 heures. Donc tu as pu voir, j'ai découpé pas mal de bois ce matin, donc j'ai fait mes planches pour mes cadres que j'ai juste à finir de monter. J'ai fait mes bois un peu plus larges pour faire mon armature, comme je vous ai dit, de Jack, tout ça. Donc là, j'ai à peu près tout préparé. Maintenant, il faut que je fignole dans ma tête. J'avais absolument... Bah, après, j'ai fait une ratatouille. Tu as pu voir que j'étais dans la cuisine, voilà. J'ai fait la ratatouille du magazine, du livre qu'on a eu. Et à vrai dire, c'est super simple à faire. C'est super simple à faire. Sauf que moi, j'ai été obligé de changer 2-3 trucs. C'est-à-dire,
que j'ai mis les mêmes temps de cuisson, tout ça. Nous, c'était pas cuit, donc j'étais obligé de le faire cuire beaucoup plus longtemps pour nous, voilà, pour que ça soit à peu près cuit. Et ensuite, j'ai pas réussi à faire le dressage comme le beau gosse, voilà, comme truc. Je comprends pas comment ils ont fait. Franchement, je sais pas du tout comment ils font. Voilà, bref. Et ensuite, j'ai passé quasiment toute l'après-midi sur ça, donc parce qu'en fait, je suis un malade. Donc mon idée à l'origine, c'était même pas ça. C'était en fait, donc il y avait le cadre. Donc je vous ai montré les dessins, tout ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais les découper en 3D, je vais les tailler et après je vais les coller. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est du 3D, c'est du collé, du bois collé, tout ça. Bref, j'ai fait un truc de ouf, je trouve. Il reste, là, il y a la sous-couche, mais il va falloir que je mette toutes les peintures pour ressortir le côté bois. Voilà, après, il va falloir que je réfléchisse à ça, comment je vais faire, quelle couleur je vais mettre, pour que ça soit quand même un peu halloweenesque, hein, donc c'est-à-dire du orange, c'est quoi, orange, vert, violet. Je peux peut-être pas faire orange, vert, violet. Au pire, je vais en faire un de chaque couleur. Je vais en faire un orange, un vert, un violet, avec du mix de noir, de rouge. Je sais pas trop encore. Franchement, je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez déjà de ça. Et au niveau des couleurs, si vous avez un côté artistique, si vous avez déjà vu des trucs comme ça, pour me dire à peu près les couleurs, parce que je ne sais pas du tout. Voilà, j'en ai fait 3 pour le moment, donc là il y en a un qui est fini, parce qu'en fait je voulais, fini, je l'ai fini de le monter au niveau de toute la structure et de la peinture. La peinture est même pas sèche, elle est encore humide, et je voulais absolument vous le montrer. Donc les autres sont encore en bas, dans l'atelier du bas, dans la cave, bref, derrière là-bas, en mode collage. Donc et encore il y en a le troisième, il est même pas fini de monter, tout ça. Voilà, bref, j'ai kiffé, j'ai totalement kiffé ça. Bon, j'arrête de parler parce que trop vlog trop long, je l'avoue. Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et on continue dans le mode Halloween. Allez, pouce bleu, tout ça, et je te dis à demain si tout va bien. Tchou!